Salut à tous les amis du CFTP.fr, c'est The Predator F1 et aujourd'hui c'est ma première, je dirais vraie, vidéo sur un jeu sur Xbox One enregistré entièrement avec le DVR de la console. Donc comme vous pouvez le constater, ce sera un multi-vidéo, je dirais, de quelques montages que j'ai assemblés ensemble. Donc sur le Lego Marvel Super Hero. On commence avec l'illustre Johnny Blaze, j'espère que j'écorche pas son nom, alias le Ghost Rider. C'était marrant, je m'y attendais pas à ce qu'il soit dans ce jeu-là, je n'ai pas vu le roster des départs. Donc, c'était de cracher du feu, tout détruire, utiliser ses chaînes et bien sûr la moto. Un petit test donc sur la possibilité de destruction totale. Bon bah j'avais pas fait gaffe par contre, mais la moto était juste à ce moment-là dans la ligne de mire de mon lance-flamme buccal. Donc je reprends la moto, un peu long d'ailleurs le temps qu'il y a avant qu'on puisse choisir. Donc voilà, je récupère sa moto, nous allons monter dessus pour une petite virée endiablée dans les rues de New York sur la moto du diable. Avec le vent, les flammes s'embrasent encore plus. Là, donc turbo booster, possibilité de faire des roues. Clairement, cette vidéo, quand même, je l'avoue, elle montre pas grand chose, mais au même titre que Blade, j'ai été stupéfait de le voir dans ce jeu-là. Je me rappelais même plus que c'était Marvel, quoi. Retour pour vous montrer son costume de cuir. Ah ouais, aussi il est capable de tourner tout son corps sans bouger la tête. Je trouve ça marrant, le petit coquin. Et pour suivre, c'est la petite vidéo d'un bug sur laquelle je suis tombé. Je dois tirer les poignées vertes avec un personnage style Hulk, mais je me retrouve coincé dedans et impossibilité de pouvoir appuyer sur B pour tirer. Donc je suis tous les personnages et je prends le Kaïd. Avec lui je peux, mais... voilà, qu'est-ce qu'ils nous font là, des petits? Pour terminer, ou plutôt pour suivre, une petite vidéo horreur à la sauce Lego. Énorme. Voilà les amis, c'est fini, merci d'avoir regardé ma première vraie vidéo. Je remercie toute l'équipe de CFTP.fr, Dino Kaiser et aussi Onilini pour me suivre sur cette vidéo. Je vous laisse donc en bonne compagnie avec les Avengers sur un film qui devrait sortir prochainement. Du moins c'est ce qu'il y a dans les options du jeu. A plus !